Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le raisonnement par équivalence. Notre question est la suivante. Montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins de 2, la racine de 4 moins x au carré moins x inférieure ou égale à 2 racine de x. Donc, pour montrer que cette inégalité est vraie pour des x qui appartiennent à moins de 2, on va utiliser ici le raisonnement par équivalence. Je vais bien sûr vous montrer comment utiliser ce raisonnement. Premièrement, je vais prendre un x qui appartient, un réel qui appartient à l'intervalle moins de 2. Et bien sûr, je vais prendre cette inégalité qui est la racine de 4 moins x au carré moins x qui est inférieure ou égale à 2 racines de 2. Je vais déplacer le x à droite. Je vais trouver par équivalence la racine de 4 moins x au carré qui est inférieure ou égale à 2 racines de 2 plus x. Alors, à cette étape-là, j'ai une inégalité, bien sûr, qui a deux termes, bien sûr. À gauche, j'ai une racine carrée qui est toujours positive. À droite, j'ai une expression qui peut être soit positive ou négative. S'il est bien sûr négative, strictement négative, cette inégalité est toujours fausse. Mais je dois bien sûr trouver le signe de 2 racines de 2 plus x. Et si je travaille sur l'intervalle moins 2, 2, bien, lorsque je prends le x appartient à l'intervalle moins de 2, cela bien sûr veut dire que le x est compris entre moins 2 et 2. Je vais ajouter 2 racines de 2. Le 2 racines de 2 plus x, il est compris entre 2 racines de 2 moins 2 et 2 racines de 2 plus 2. Et je sais que 2 racines de 2 moins 2, il est strictement positif. Par suite, bien sûr, le 2 racines de 2 plus x est strictement positif. Ensuite, j'ai trouvé une inégalité telle que les deux termes ici à gauche et à droite, ils sont toutes les deux positifs. Bien. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr commencer à utiliser le raisonnement par équivalence. J'ai la racine de 4 moins x au carré inférieure ou égale à 2 racines de 2 plus x. Je passe bien sûr par équivalence au carré. Je vais trouver la racine de 4 moins x au carré, le tout au carré, elle est inférieure ou égale à 2 racines de 2 plus x, le tout au carré. Après, bien sûr, le carré et la racine, ça simplifie. Je vais trouver 4 moins x au carré. Ici, bien sûr, identité remarquable, je vais trouver 8 plus 4 racines de 2x plus x au carré. C'est ça que je vais trouver. Après, je vais déplacer le 4 moins x au carré à droite pour trouver, bien sûr, un trinôme ou bien une équation du deuxième degré. Je vais trouver 4 plus 4 racines de 2x plus 2x au carré qui est supérieur ou égal à 0. Bien sûr, je peux étudier le signe de ce trinôme en utilisant le discriminant et les solutions et puis le tableau de signes. Mais ici, je vais utiliser une autre façon qui est un peu simple. Je vais factoriser par le 2. Je vais trouver 2 facteurs de 2 plus 2 racines de 2x plus x au carré. Et puisque le 2 est positif, cela veut dire que ce qui est entre parenthèses est positif. Ce qui est entre parenthèses, ce n'est que identité remarquable qui est racine de 2 plus x le tout au carré. Eh bien, ici, j'ai commencé par ce qu'on a dans notre question. Par équivalence, j'ai trouvé une autre expression. Reste à vérifier est-ce que cette expression est vraie. Pourquoi? Parce que lorsque j'utilise le raisonnement par équivalence, bien sûr, je sais que P est équivalent à Q. Cela veut dire que P et Q, elles sont toutes les deux vraies ou bien toutes les deux fausses. Bien, pour montrer que P est vrai, il suffit de montrer que Q est vrai. Bien, pour le P, c'est l'expression en haut. Pour le Q, c'est ce qui est en bas. Ce qui est en bas, racine de 2 plus x, le tout au carré, il est supérieur ou égal à 0. Il est toujours vrai. Et bien sûr, puisque le Q est vrai, c'est-à-dire cette expression-là, qui est racine de 2 plus x, le tout au carré positif, alors bien sûr, par équivalence, le P en haut, il est vrai. Donc, puisqu'il est vrai pour tout x appartenant à moins de 2, finalement, je vais écrire par suite, pour tout x appartenant à moins de 2, la racine de 4 moins x au carré moins x est inférieure ou égale à 2 racine de 2. Merci.